Voici la sélection cinéma de 7 à Limoges avec une comédie et une comédie dramatique. Deux amis de toujours vivent sur une petite île de Bretagne et découvrent que l'un des habitants a gagné le gros lot à la loterie nationale. Mais lorsqu'ils découvrent qu'il est mort, ticket gagnant en main, les deux compères décident d'organiser une grande arnaque au loto pour prendre sa place. Henri, Henri. Là-bas, oh putain ! Il y a quelqu'un de l'île, oui, qui a gagné le gros lot à la loterie. J'arrive au café. Les habitués... Hé, hey, c'est Pégane, tu penses à moi, hein ? Va te faire foutre ! Puis là, le téléphone, il sonne. Vous êtes sûr ? Ça fait des années que je joue, putain. Et ça tombe juste à côté. Déjà, il faut savoir qui c'est qui a gagné. Oh, pas de elle ? Il a gagné. Et il est mort, ce con. Personne n'est au courant qu'il est mort. On va se le faire. À l'ancienne. Qui c'est qui va faire Bud Bell ? À toi ou Jean-Jean. 1 000 000 de savoir ! C'était pas le capitaine Haddock, hein ? Il avait des ancêtres écossais. Oh ! Nous, les écossais. Par contre, l'accent... Ah, c'est quoi cet accent ? Bah, écossais. Monsieur Bud Bell, Montroudec. Oh, la loterie ! Oh, quelle surprise ! Habille-toi. Je suis Bud Bell. Jean-Jean, t'as un grand Mitterrand, là. Arrête. Ça me paraît parfait. J'ai senti que j'ai appris l'accent. Je suis Bud Bell, Montroudec. Mais vous allez tous aller en prison, là. Et on l'aura fait à l'ancienne ! À l'ancienne ! Quand on congèle, faut toujours mettre la date. Nicole vit dans un HLM de banlieue avec son fils, Serge, qui ne la supporte plus. Endettée et sans emploi, elle se voit retirer chéquier, carte bleue, et ses rides se creusent. Et si, à l'approche de Noël, la vie se décidait enfin à lui sourire. Oui, c'est Nicole ! Oh, putain. Oui, entrez. Désolée pour le retard. Madame, qu'est-ce que vous faites, là ? C'est bien la banque, ici, madame. Pardon, excusez-moi. Oh, je croyais que j'étais chez le médecin. Vous êtes à plus de 40 000 euros de dette. Ça, c'est... Vous vous rendez compte ? C'est beaucoup. Regardez, la famille mais parfaite. T'inquiète pas, mon bébé. Pas de cadeau. Niveau bouffe, on va se faire plaisir ce soir. Mais on va passer un putain de bon Noël. La souris. Attends, il y a la souris. Ah ! Tiens. C'est quoi ? C'est pas exactement ce que tu m'as demandé, mais... C'est quoi ce nom de merde, là ? Attends, c'est absurde. Tu devrais me dire merci. T'es un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans la vie. T'es raté. Il faut que t'arrêtes, là. Prends-moi. Vas-y, viens. Prends-moi, je te tue. Moi aussi, je vais te défendre. Je te tue. Ah, plus jamais de moi. Plus jamais. Oui, Serge, c'est moi. Je voulais savoir comment ça allait. Bisous. Qu'est-ce qui va pas ? J'ai travaillé toute ma vie. Et j'ai rien. Aucun plaisir. Faut se créer son bonheur à soi, chérie. Ça fait des années qu'on se croise, mais c'est la première fois qu'on parle. Vous êtes des ombres qui me font peur. Le bonheur, c'est les petites choses de la vie, hein. Tu le sais, ça. Toi, moi, tu réussiras. De quoi t'as peur ? D'être heureuse. J'ai besoin que tu me parles de toi. Si ça se trouve, un jour, je vais découvrir que t'es mariée, que t'as 3 enfants et une maison en Normandie. Non, jamais. Mon petit bébé, il l'a pas encore. Bonne séance et à la semaine prochaine.